Pierre Bleroux Niemek et son combi parfait ici, deux frustrés de la nature. Voici deux, ou c'est les journalistes, ou bien c'est les gens qui font le Congo ça dans leur chaîne télé qu'on appelle Info TV. Car à chaque fois qu'on va parler de la FECA Foot, ils vont donner la parole aux gens qui mal parlent de Samuel Eto'o, aux gens qui viennent saboter Samuel Eto'o. Mais une fois qu'on va parler du ministère des Sports, ils vont commencer à vouloir étouffer les gens. Voici, je vais d'abord commencer par le frère Bassa de Samuel Eto'o, Bleroux Niemek. Monsieur Bleroux Niemek, ce n'est pas parce que Samuel Eto'o ne vous a rien donné quand il joue au ballon, qu'à chaque fois que vous allez avoir l'occasion de l'insulter sur une chaîne télé, vous allez sauter sur l'occasion. On voit votre frustration, votre jalousie. Vous suivez les Bassa. Comment un Bassa peut détester son frère autant? Qu'est-ce que Eto'o t'a fait? Qu'est-ce que Eto'o t'a fait qu'à chaque fois tu vas toujours venir le critiquer? Moi-même qui suis Yaoundé, je ne déteste pas Eto'o comme ça. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. On peut détester son frère comme ça. Et en plus, vous êtes deux laids, monsieur. Vous êtes à la télé, on voit vos visages tous les jours. Vous êtes trop laid pour vous afficher à la télé. Parfois, ici, là-bas, avec sa grosse tête. Pierre Bleroux, là-bas, avec son gros ventre. Vous vous êtes bien regardé. Le jour que Petit Pays était venu dans votre émission, là, vous vous êtes levé pour danser là. Allez encore regarder la vidéo là. Vous êtes trop laid dedans. Parfois, ici, avec le gros ventre, le matango, comme ça là. Parfois, ici, tu crois que les gens ont oublié. Quand tu avais tout même petite fille, tu travaillais à Vision, quand tu avais tout même une petite fille de 16 ans, on peut réveiller tes démons qui sont dans le placard. Toi aussi, on a les choses à dire sur toi. Regarde-moi un journaliste comme ça là, qui ne sait même pas faire la part des choses. Un hibou, déclare-toi, tu as un hibou caché dans le noir. Papa, ici, tu as un hibou caché dans le noir, tu n'aimes pas Eto'o. Tu n'aimes pas Eto'o. Avec ton acolyte Pierre Bleroux Niemek. La seule personne qui fait un peu un genre là, c'est Bernard Basson. Bernardo Basson, lui il est au moins vrai. C'est parce qu'il vous respecte qu'il ne peut pas vous dire la vérité. Sinon le gars là, il dit la vérité. Regarde-moi Pierre Bleroux Niemek comme ça, un frustré. Toi tu es un vrai sorcier, les Mbombok, à chaque fois tu viens parler des Mbombok. Les Mbombok n'ont pas encore mis les yeux sur toi. Le jour que les Mbombok, bah, ça va mettre les yeux sur toi, vrai, vrai. On va te dire de parler encore de Samuel Eto'o, tu ne vas plus parler. Continue. Tu dis que les gens ne t'aiment pas, les gens ne te supportent pas. Moi, je ne te supporte pas, je ne t'aime pas. Toi, tu n'aimes pas Eto'o, non. Moi aussi, je ne t'aime pas. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux comme ça. Et chacun a son tour sur le coiffeur. Le jour que, comment elle s'appelle, Qualité, c'est parce que Qualité ne s'est pas encore concentré sur toi. Le jour que Qualité va se concentrer sur toi, là, on va voir ce que tu as en bas de ton gros ventre, que tu dis que tu as 5 femmes, que tu sais faire l'amour, là, que toi, tu aimes les femmes, là. On va voir ce qui est en bas de toi, là. Regarde-moi, monsieur, comme ça, là, frustré. Professeur de secondaire. On respecte les professeurs de l'université. Toi, tu es qui? Avec ta tête chauve, on dirait les fesses d'un bébé nouveau-né là. Avec ta tête chauve, on dirait l'œuf bouilli. Toi, à chaque fois, tu vas me dire parler de toi. Tu t'es regardé, monsieur Bleroux Niemek. Vous vous êtes regardé. À chaque fois, vous ouvrez votre gueule, vous parlez de votre frère Bassa. On dirait que vous avez travaillé à Boumri et Bel ensemble. Quand Samuel Eto'o jouait à Barcelone, peut-être tu as enseigné où? Quand Samuel Eto'o jouait à Barcelone, tu dormais peut-être chez ta tante là-bas en Vogada. Oh, j'ai conçu en quoi, bang, j'ai conçu en Vogada. Déchet que tu sois. Parfois ici, regarde, quelqu'un qui a en tout main une petite fille de 16 ans, s'il va venir parler de Samuel Eto'o, va venir laisser les gens pour venir critiquer Eto'o. Continuez de parler Eto'o. On va vous aligner un à un. C'est parce qu'on ferme nos bouches, on ne parle pas, non. Maintenant, si l'on va commencer à parler pour vous servir. Connard.